Hello mes petits chats, j'espère que vous allez tous méga bien. Alors aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo après un long petit moment d'absence. Donc je suis vraiment méga contente de pouvoir enfin refilmer sur ma chaîne. Donc comme vous l'aurez compris, eh bien à partir d'aujourd'hui, à partir de la semaine qui va suivre, eh bien vous aurez à chaque fois de nouvelles vidéos qui vont suivre. Donc surtout restez connectés sur la chaîne. Et puis d'ailleurs si vous avez envie de me partager vos nouvelles recettes de slime sans colle, eh bien surtout n'hésitez pas à le faire en dessous de cette vidéo pour que je puisse les tester dans de prochaines vidéos. Alors eh bien comme vous l'avez compris dans le titre, aujourd'hui je vais donc tester plein de slimes qui proviennent du magasin Action ainsi que de toutes nouvelles surprises qui sont comme ceci, qui sont vraiment trop choux. Je les trouve trop mignonnes et puis j'ai hâte de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ces petites surprises et en même temps voir un petit peu la qualité des slimes. Donc c'est parti, si vous avez envie de découvrir cette vidéo, eh bien let's go! Alors je vais commencer ce premier test avec ces deux petits slimes qui sont les Diamond Beauty. Donc ils ont l'air vraiment magnifiques, ce sont des slimes en forme de diamant. Et bien écoutez, on va découvrir tout de suite le premier. Donc je vais découvrir celui-ci, c'est parti, donc je vais l'ouvrir. Alors voici le diamant sans emballage et donc comme vous pouvez le voir il est vraiment super bien fait. Le packaging est vraiment très joli. Donc c'est parti, on va découvrir ça tout de suite. Alors au niveau de l'ouverture, franchement, c'est pas du tout facile à ouvrir. Et donc, voici le slime. Et donc, voyons voir un peu cette texture. Alors, ça a l'air plutôt pas mal. Après, je trouve que ça colle vraiment beaucoup. Alors, c'est vraiment super joli parce qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur de ce slime. Donc, on les récupère sur le diamant. Et donc voici le slime en question et franchement il est top, il est transparent avec des petites paillettes, je trouve ça vraiment trop beau. Ah franchement j'aime trop la texture, il est vraiment super chouette celui-ci. Alors là il se casse assez facilement mais sinon je pense que c'est le temps de le chauffer parce que il a l'air quand même pas mal de s'étirer. Vous voyez, il s'étire quand même bien. Il n'a pas du mal à s'étirer, donc franchement top. Je suis vraiment très contente. Ok, vraiment super chouette ce premier slime. Je valide, franchement pour moi vous pouvez foncer, mais les yeux fermés, je l'aime énormément. Ensuite le deuxième. Alors voilà le deuxième. Hop. On va essayer de récupérer toutes les petites paillettes en forme de cœur à l'intérieur ou en forme de diamant. Non, c'est plutôt des petits cœurs. Bah, de toute manière, il est vraiment très beau comme ça aussi. Et même chose, la texture est vraiment waouh, super chouette. J'aime trop. J'aime trop. Franchement, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça, il s'étire vraiment très bien. Et là, franchement, il est encore assez froid. Donc, je pense qu'une fois qu'il est bien chauffé, il y a moyen de l'étirer encore plus. Hein. Regardez. Non, il s'étire vraiment très bien. J'adore la texture. Franchement, rien à dire, mes petits chats. Il est vraiment top. Je les aime trop, les deux sont vraiment vraiment top quoi. Alors maintenant, eh bien, c'est le moment de tester ces 2 kg de slime. Donc ça s'appelle les Oozy Slime et c'est représenté sous forme de petits seaux comme ça. Donc vous pouvez le prendre avec vous partout où vous allez. Donc ça, c'est plutôt cool. Et franchement, le prix, c'était vraiment pas très cher. C'était moins de 2 euros ou 3 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas cher pour 1 kg de slime. C'est super chouette. Donc on va tester tout de suite celui-ci. C'est parti, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Voilà. Franchement, la couleur est magnifique. Waouh.
Eh bien écoutez, que dire à part qu'il est juste génial. Franchement, je vous le conseille à 100%. La texture est vraiment top. J'aime trop cette texture là. Et en plus, c'est vraiment super agréable de toucher un kilo de slime comme ça. C'est vraiment top. Et pour le prix, franchement, c'est pas cher du tout. Donc foncez les yeux fermés. Moi, je vous le conseille. Alors, c'est le moment de tester la couleur bleu turquoise. C'est parti. Regardez-moi ce bleu turquoise, mais qui est vraiment trop trop beau. Oh, j'aime trop. Bon, et bien, comme vous pouvez le voir, celui-ci aussi, franchement, est topissime. Je l'aime trop, il s'étire très très bien. La texture est vraiment top et c'est super agréable de toucher comme ça un kilo de slime. Je sais, je me répète, mais franchement, ils sont vraiment top. Je ne peux que vous les recommander. Franchement, foncez les yeux fermés parce que moi, j'adore. Voilà, c'est tout simple. Et puis, j'ai très très envie aussi de les mélanger dans une prochaine vidéo. Donc, dites-moi si ce style de vidéo vous intéresse, ça vous intéresserait de voir des kilos de slime de chez Action mélangés en une seule fois. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Bon, et bien maintenant c'est le moment de tester ces deux mini slimes. Il s'agit des Jelly in Ball. Donc on va tester ça tout de suite. J'en ai pris un de couleur vert clair et un de couleur, on va dire un petit peu mauve. Thé, prune comme ça, quelque chose comme ça. Donc c'est parti, on va découvrir ça tout de suite. Je vais commencer par celui-ci. Donc je vais les ouvrir. Alors je sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur il y a des petits yeux comme ça. Ça a l'air trop trop mignon. Donc c'est parti. J'ouvre ça tout de suite. Waouh, regardez, on obtient une petite boule totalement transparente. Et la texture a l'air plutôt pas mal quand même. Donc on va voir maintenant quand il s'étire ce que ça donne. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, franchement pour des mini slimes comme ça. C'est vraiment très très chouette. Et vous avez des petits yeux à l'intérieur. Je trouve ça plutôt cool. Alors il faut un petit peu plus le chauffer. Alors au niveau de la quantité, eh bien c'est très mini. Mais franchement, si on veut l'emporter avec nous un petit peu partout, eh bien, c'est plutôt sympa comme petite quantité. C'est assez déstressant, je trouve. Alors maintenant, il a un petit peu plus de mal à s'étirer. Je ne sais pas pourquoi. Mais sinon, tout début, franchement, il était top. Alors là, avec, à mon avis, toutes les petites bulles qu'il y a à l'intérieur, du coup, il a un petit peu plus de mal à s'étirer. Donc voilà, ça c'est le petit hic de ces petits slimes. On va passer tout de suite au second. Waouh! Alors quand ils sont transparents comme ça, ils sont vraiment trop trop beaux. J'aime trop. Alors celui-ci par contre, il n'y a pas de petits yeux à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est normal. À mon avis, ils ont dû oublier de les mettre à l'intérieur. Regardez. Waouh! J'aime trop. Alors maintenant, si je veux l'étirer à nouveau, il se casse. Donc vous voyez ceci, quand il y a des petites bulles, etc., eh bien du coup, ils ont du mal à s'étirer à nouveau. Donc voilà, ça je trouve que c'est le petit bémol de ces mini slimes. Mais sinon, autrement, franchement, pour le prix, c'était moins de 50 centimes, hein, il me semble. Donc franchement, c'est pas cher du tout. Et bien maintenant, pour ce dernier test, je vais tout de suite tester les petites surprises. Il s'agit des Pop Its. Donc on va voir ça tout de suite, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme surprise. Donc c'est parti. Alors je suppose, eh bien, qu'il faut enlever les autocollants.
Donc on va ouvrir ça tout de suite. Voilà. Alors après, comment est-ce que ça fonctionne? Ah, du coup, ça s'ouvre tout seul. Ok. Voilà. Et ici, on a des petits sachets à l'intérieur. Donc ça a l'air plutôt cool. Ok, donc après, on n'a plus rien à l'intérieur. C'est parfait. Bon, et bien voici ce qu'il y a à l'intérieur de cette surprise. Donc on a une petite poupée, voilà. Ça, c'était le premier sachet. Ensuite, deuxième sachet, on a un petit cœur comme ça à fixer sur la poupée. Donc voilà. Ensuite, même chose, on a un petit bonbon comme ça à fixer encore une fois sur la main de la poupée. Voilà, donc du coup, la poupée est équipée. Donc voilà. Alors au niveau de la poupée, franchement, au niveau de la qualité, c'est plutôt moyen, mais bon, pour 1,99€ la surprise, voilà, on n'allait pas s'attendre à quelque chose de super étonnant non plus. Voilà, pour moins d'1€, parce que oui, il me semble que c'était moins d'1€ cette surprise-là. Et franchement, je trouve pas ça très très cher, donc ça fait plutôt l'affaire. Et ensuite, dans le troisième sachet, eh bien, on avait plein de petits confettis comme ça, je trouve ça vraiment mais trop trop joli. Donc voilà pour la première surprise. Alors maintenant, découvrons la surprise numéro 2, donc c'est parti. Alors, premier sachet, deuxième, et ici, eh bien, il n'y a que deux sachets, voilà. Donc, on referme tout ça, et ça, franchement, on peut les réutiliser sans souci, donc c'est plutôt cool. Bon, eh bien, voilà concernant la deuxième surprise reçue dans ce Pop It. Donc, il s'agit d'un dinosaure, eh bien, écoutez, c'est plutôt cool, pour moins d'un euro, ça va, on n'est pas volé. Mais bon, j'aurais voulu quand même un petit peu plus de surprises à l'intérieur. Et franchement, au niveau des paillettes, je trouve pas ça super utile. Ils auraient pu mettre autre chose comme surprise. Donc voilà. Et puis dans celui-ci, eh bien, on a eu que deux sachets. Alors que dans celui pour les filles, eh bien, on a eu trois sachets. Voilà. Donc ça, je suis un petit peu déçue à ce niveau-là. Mais sinon, le petit dinosaure, franchement, est pas mal. Mais franchement, voilà. On peut quand même trouver un petit peu mieux. Au niveau des filles, je suis plutôt ok. Je vous conseillerais. Mais pour les garçons, voilà, c'est quand même qu'une seule surprise, donc pour ça je trouve ça un petit peu malheureux. Mais bon voilà, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas un petit peu à me dire ce que vous pensez de ces Pop-Its dans les commentaires. De me dire également ce que vous pensez des slimes dans les commentaires. Si vous voulez également que je mélange tous les slimes ensemble, n'hésitez pas à me le faire savoir en dessous de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à me laisser vos recettes de slimes sans colle pour que je puisse les tester dans la prochaine vidéo qui va suivre sur ma chaîne. Et puis voilà, un petit chat d'amour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'oubliez pas de la liker un maximum. N'hésitez pas à me soutenir, à s'abonner aussi également à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et aussi à la partager un max. Et puis voilà, un petit chat d'amour. En attendant, moi, je vous fais vraiment des méga, méga gros bisous. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!